Impossible de traverser sans avoir les pieds dans l'eau. En toute saison, parcourir les pistes du bloc 24 du quartier Mabanda par Bonaberry est un véritable calvaire. Ce matin d'octobre, cette équipe d'agents sanitaires de la société civile en fait la meilleure expérience. Quand vous marchez dans certaines zones ici, vous sentez comment le sol fuit sous vos pieds. C'est un marécage qu'on est en train de remblayer et on construit donc au-dessus de ce remblai. Il y a beaucoup de problèmes de santé publique qui peuvent survenir ici, donc le paludisme. Parmi les 32 blocs du quartier Mabanda dans l'arrondissement de Douala 4e, le bloc 24 s'est construit par endroits dans des marécages à la lisière du Vouri, d'où une pluie de désagréments au quotidien. Quand il pleut, l'eau quitte loin là-bas en haut, ça descend comme ça là. Et en plus, la marée apporte aussi les moustiques. Puis à mesure que les gens viennent, ils s'installent en allant vers le bas, parce que les palétuviers que vous trouvez un peu en bas là, c'est là qu'on soit au bord de l'eau, au bord du Vouri. Vous-même vous constatez l'enclavement, les routes, l'inondation partout. Dans certains coins, c'est pire. Il y a l'insécurité aussi de l'autre. Si les conditions du milieu ont contraint certains habitants à l'abandon, d'autres comme Fabien, venu de Makepe plus loin, croient avoir trouvé ici la terre promise. Et ce qui m'a fait venir ici là à Mabanda, parce que bon, là où j'étais à Makepe, nous, la pluie, quand il y avait la pluie, nous, ça entrait à la maison. Le problème d'ici là, ce n'est que le problème de la route. Il y a même une zone interdite ici en bas. Une zone à risque, déclarée zone à risque, parce que les populations ont même détruit systématiquement les mangroves. Un arrêté préfectoral qui a même interdit. Bon, ils avaient un temps dit même qu'ils devaient faire déguerpir les gens. Au fil des ans, des investissements parfois importants sont engloutis dans les marécages de Mabanda, sans aucune garantie qu'un jour les bulldozers ne passeront par là pour appeler la primeur de la loi sur la nécessité de se construire un toit.